ne vous laissez pas distraire. Le cas de Ousmane Kaba, ne vous laissez pas distraire. Allez-y écouter toutes mes vidéos quand ils ont commencé leur complot contre nos leaders. Ousmane Kaba ne représente rien dedans. Rien du tout. C'est juste une mise en scène. Il faisait partie de ceux qui ont auditionné ou qui ont cité le nom de nos leaders ici. C'est juste une mise en scène parce qu'on a tapé dans leurs oreilles. Pourquoi ces gens qui ont servi, ainsi de suite. C'est juste une mise en scène. Sinon, les Siakabari, les Komara, quand ils veulent nous parler des anciens ou quoi, des gens qui ont servi ce pays, ils font tous partie. Mais le cas de Ousmane Kaba, je vais vous dire, c'est du mise en scène. C'est du mise en scène. Ousmane Kaba ne représente rien. Rien. Même devenir maire de Cancan, il ne peut pas être maire de Cancan. Il ne peut même pas être maire de Cancan. C'est juste une mise en scène pour nous distraire. Pour dire, ah, demain, vous allez voir les médias là. Les médias corrompus là. Ils vont se servir de ça. Ah, ceux qui se plaignent. Déjà, c'est tout le monde. C'est rentré, c'est sorti. Demain, vous allez voir ces médias là. C'est juste un jeu. C'est juste un jeu. Mais ces gens-là pensent qu'ils peuvent nous endormir. Ces gens-là pensent qu'ils peuvent nous endormir. Ils pensent qu'ils peuvent nous endormir. C'est nous qui avons dénoncé cela. Ce n'est pas les médias là. Parce que ces gens-là marchent avec les médias. Ce que les médias disent, c'est ce qu'ils font. Mais nous, c'est nous qui avons parlé de Ousmane Kaba. Ceux qui se disent qu'ils sont blancs ou quoi, quoi. On a cité le nom de Ousmane Kaba. Combien de fois? Ici. Mais les Siakabari qu'ils font monter là, les Komara qui sont à l'homme là-bas, ils n'ont pas servi. Ceux-ci-là n'ont pas servi. C'est du tape à l'œil. Je vous dis, c'est du tape à l'œil. Les gros morceaux qu'ils cherchent, ils n'ont pas encore eu ces gros morceaux-là. Ceux qui, où ils veulent taper là, ils n'ont pas encore eu. Sinon, Ousmane Kaba représente quoi? Ce n'est même pas un danger pour eux. Rien du tout. Mais tout ça, il est prêt à faire le jeu, à se sacrifier. Lui, il a déjà son argent, il est tranquille. Mais je vous dis, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans, il n'y a rien dedans. Rien du tout. Ça, c'est entre eux là-bas. Tout ce qu'on va dire, ah, Ousmane Kaba, celui qui était nanani nanana, le griot du CNRD, il est en audition. Vous savez ce qui se passe là-bas? Vous savez ce qui se passe là-bas? C'est juste du tape à l'œil pour faire plus de mal. C'est du tape à l'œil pour faire plus de mal. Sinon, il n'y a rien. Mais demain, vous allez voir les deux radios là. Espace, Bar Café. Bar Café de Guirassy et FIM. Vous allez voir certains journalistes demain. C'est-à-dire, c'est essayer de laver le cerveau des gens, quoi. Donc, ils ne vont pas nous endormir. Hein. Ils ne vont pas nous endormir. Avec leur petit jeu, là. Ousmane Kaba, il représente qui? Il a quel électorat? Il a quel électorat? C'est les autres qui veulent détruire. C'est les autres qui veulent détruire. Lui, il est prêt à être sacrifice. Il est prêt à être sacrifice. Je vous dis. Il est prêt à être sacrifice. C'est-à-dire, on le salit, qu'on dise, c'est ça. Mais il n'y a rien au-dessous, réellement. Amenez encore Siakabari. Amenez encore Siakabari. Comment il a construit sa maison là? Sa maison où il est là, Siakabari là. Auditionnez Siakabari. Il a été ministre. Il n'y a pas si longtemps aussi. Siakabari là, auditionnez-le. Komara aussi là, auditionnez-le. Vous pensez que nous on va tomber dans le jeu là? Vous pensez que CNRD, vous êtes déjà connus. On vous connaît. Vous êtes des trompeurs, des manipulateurs. Vous êtes des trompeurs, des manipulateurs. Le jeu, c'est tellement simple. Voilà. C'est tellement simple. Je vous ai parlé du retour du président de la République, du professeur Alpha Condé. Est-ce qu'on vous a montré? Attendez, je vais vous montrer quelque chose. Je viens, je vais vous montrer quelque chose. Vous allez comprendre. Que ce que je vous ai dit, pour vous dire, les Moussa Moïse, là, c'est des plaisantins. Voilà.
Le retour du professeur Alpha Condé. Regardez, hein. Regardez le retour du professeur Alpha Condé. C'est la présence de la République, ça. Regardez jusqu'à... Partagez au maximum. Je vais juste vous expliquer leurs mensonges. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Quand je dis ces médias-là, leurs médicaments, là, c'est nous. Leur médicament, c'est nous. Partagez, partagez. Mettez les cœurs. Je vous dis, actuellement, dans ces deux jours-là, je tape sur eux. Ils ont trop peur. Ils ont trop peur. Oh là, arrête de m'appeler, mon frère. Arrête de m'appeler. Oh là. Vous avez bien vu, vous avez vu, c'est la présidence, les Moussa Moïse là, le retour du professeur Alpha Condé. J'ai dit, il y a des gens qui sont sortis, ils veulent se comparer. Lorsque j'ai dit, le professeur a été forcé de retourner. Après, on a commencé à entendre l'affaire des audios. Il y a d'autres qui ont cru que moi, je suis un plaisantin. Où je tire mes informations. Ils pensent que je n'ai rien. Eux, ils pensent que je n'ai rien à faire. Je vais venir m'asseoir ici, à c'est-à-dire comme si j'ai envie de parler comme ça. Lorsque le procès sortait, c'est cette même présidence de la République qui ont interviewé le procès Alpha Condé. Je vous ai dit, ils ont coupé des parties. Au début, le procès, quand ils ont dit, ils ont commencé à parler, dire qu'est-ce que le procès peut dire du CNRD. Il dit, ils ont déjà fait leur coup d'État, ils n'ont qu'à se occuper de ça. Mais ils n'ont pas mis la partie là. Hein? Ils n'ont pas mis la partie là. Dans l'audio, c'est-à-dire dans ce qu'ils ont montré au peuple de Guinée, ils n'ont pas mis. C'est où le président dit, je vais à Abu Dhabi, je sais que je vais avoir de bons soins là-bas. Je connais le pays. Mais son retour au Bercail, on a vu les images. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, ils ont encore menti au professeur Alpha Condé qui devait partir chez son ami Sassou Nguesso. Les deux jeunes qui devaient venir avec lui ne sont pas venus, c'est-à-dire une manière pour dire qu'ils vont chez son ami Sassou Nguesso. Ils ne viennent pas ils ne vont pas en Guinée. Les deux autres ont pris d'autres vols. Voici comment ils ont menti au professeur Alpha Condé. Voici comment ils ont trompé. Le jeune qui avait pris son sac, ils sont montés dans l'avion. C'est comme ça qu'ils ont menti pour dire le président part au Congo chez son ami Sassou Nguesso. Voici comment ils l'ont fait. Et son retour, c'est pourquoi ils n'ont pas osé mettre micro devant le professeur Alpha Condé. Donc quand je viens, je parle ici, là, ceux qui disent que non, c'est pas vrai, nanani nanana. Pourquoi ils n'ont pas mis le micro pour dire au professeur Alpha Condé? Comment s'est passé ton séjour? Comment le séjour s'est passé? Je vous ai dit, vous êtes en train de vous fatiguer. Le général, vous allez vous fatiguer. Vous allez vous fatiguer pour dire, vous allez démentir. Pourquoi Moussa Moïse, là, il a mis cette vidéo, il n'a pas mis, c'est-à-dire l'interview, pour dire, monsieur le président, vous êtes parti, vous êtes de retour. Pourquoi ils n'ont pas fait ça? Pourquoi ils n'ont pas fait ça? Pourtant, je vous avais dit ici, s'ils mettent l'audio ou bien ils mettent une vidéo du président qui dit oui, je suis de retour, j'ai reçu des soins. Moi, Damaro, je ne fais plus de vidéo. Je vous ai dit ça il y a deux jours, non? Pourquoi Moussa Moïse, il met seulement, il fait des images, il prend des images, il montre que le retour du professeur Alpha Condé. Je vous ai dit, c'est des plaisantins. Je vous ai dit, CNRD, ils sont champions dans le mensonge. Ils sont en train de nous distraire. Le cas de Ousmane Kaba, c'est de la distraction. Ils sont en train de nous distraire. Il faisait partie de leur comité. C'est Ousmane Kaba qui sortait ici. Dire que nos cadres, d'autres 1 000 milliards, qu'il y a des cadres
du gouvernement du professeur Alpha Condé qui ont 1000 milliards dans les comptes, ce qui fait presque 100 millions de dollars, 1000 milliards de francs guinéens. 1000 milliards de francs guinéens, c'est plus de 100. C'est plus de 100 millions plutôt de dollars. Lui, il avait le courage de venir s'asseoir ici, les cadres du gouvernement du professeur Alpha Condé, c'est-à-dire pour que la population déteste ce gouvernement. Mais quel cadre on a montré qui a 1000 milliards, les Ousmane Kabala, quand ils étaient là à dire ça devant des plateaux, même les journalistes là, personne ne disait, hein, qui peut avoir 1000 milliards de francs guinéens, 100 millions de dollars. Mais ces médias là, c'était dans ces médias là, personne n'a dit Ousmane Kabala, ça c'est trop. Les montants, les chiffres que vous dites là, c'est trop. Quel est l'homme d'affaires guinéen qui a ça dans les comptes? À plus forte raison, les cadres. Mais les gros menteurs là, ils étaient là à dire ça ici. Personne n'a contredit Ousmane Kabala pour dire aucun cadre ne peut avoir 1000 milliards. Le budget de son département, c'est combien? C'est combien qu'on a loué à son département pour qu'un cadre puisse avoir 1000 milliards? Mais Ousmane Kabala a tenu ses mensonges. Mais les médias là, ils ont soutenu parce qu'ils sont contre le professeur Alpha Condé, parce qu'ils sont contre le RPG. Donc ces mises en scène qu'ils sont en train de faire, tout ça c'est contre Selou, tout ça c'est contre Sidia, tout ça c'est contre nos champions, Dr Kassori. Vous pensez qu'on va avaler ça? Vous n'étiez pas avec Ousmane Kabaye? Appelez encore dans votre cinéma Siaka Barry, qui l'a servi, il a été ministre. Sa belle maison là, il a eu combien? Il a eu comment? Sa maison là, c'est quand il était ministre là, il a fait ça. Il a eu l'argent là, comment? Allez-y l'auditionner aussi. Au lieu de dire, les autres, vous avez 3 maisons, on a entendu 4 maisons. Demandez Siaka Barry, comment il a eu sa maison là? L'argent là, il a eu ça comment? Ne prenez pas les Guinéens comme si on n'a rien dans les têtes, dans nos têtes quoi. C'est parce qu'on a crié ces jours-ci là. Hein? Ceux qui parlent là, vous avez fait votre arrangement avec Ousmane Kabala. Ne l'auditionnez pas et le laissez. Envoyez-le où les autres sont. Là, ça va nous donner un peu à réfléchir. Envoyez aussi Ousmane Kabala, parce qu'il accepte tout. Envoyez-le aussi à côté de nos cadres là-bas. Ils vont aller causer la journée ensemble. Ils vont aller se dire des vérités là-bas. Prenez Ousmane Kabala, ne retardez même pas. Emmenez-le à la maison centrale. Gardez-le là-bas aussi. Il va bien causer avec nos cadres. Ils vont se dire la vérité là-bas. Voilà. Qui sait même s'il n'est pas espion. Ils veulent encore l'amener là-bas. Parce qu'il est capable de tout. Quand tu regardes le visage de Ousmane Kabala, tu sais quel genre de personne il est déjà. Quand tu regardes un cadre comme Ousmane Kabala. Donc, la famille, c'était le général 5 étoiles. Ne nous laissons pas abattre par ce cinéma du CNRD. Il n'y a pas de sérieux dans ce qu'ils font. Rien de sérieux. Il suffit tout simplement qu'on réfléchisse là-dessus, qu'on analyse, qu'on voit qu'il y a du flou. Il n'y a rien de sérieux. C'est purement du jeu. C'est purement du jeu. Vous n'allez rien. C'est-à-dire tout ce qu'ils sont en train de faire. Donc, c'est tout simplement du jeu pour nous distraire. C'est-à-dire, les médias, demain, vous allez les voir parler là-bas. Ah, non, ceux qui se plaignent. Bar Café, ils n'osent même pas dire mon nom. S'ils sont hommes, là, ils n'ont qu'à du général 5 étoiles, ou bien ma Guinée d'abord. Mais, c'est le sujet-là qu'ils vont envoyer dans ces 2 jours-là. Pour venir tromper encore la population. Vous voyez, c'est tout le monde, c'est tous les anciens, même ceux qui ont soutenu le CNRD. Vous voyez, ils sont en train de taper le jour que Selou rate. Pap! Maison centrale. Le jour que Sidi Arap, pap! Maison centrale. Tout ça parce qu'ils ont fait le jeu là. Parce qu'ils ont fait déjà le jeu là. Ça ne marchera pas. Votre plan de vous maintenir, d'empêcher tous les anciens là, ça ne marchera pas. Moi, le général, j'avais déjà tout dit ici. Les gens sont déjà au courant. Les gens sont déjà au courant. C'est pourquoi vous faites tout là. Pour fermer la page là. Vous n'arrivez pas.
Parce que les gens disent quoi? Ah, le général, il avait raison. Il avait tout prédit ici. Il avait tout dit ici. Donc, c'est ça. Donc, merci la famille. Stéphane Souleymane Diakis, merci. Mamadi Sissi, merci à tous les patriotes. C'était l'information pour ne pas qu'on nous distrait, qu'Ousmane Kaba audition. Tout ça, c'est du tape à l'œil.